Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 12 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini, que le génie qui est en moi soit libéré, que je saisisse clairement le plan parfait, immédiatement, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Merci avec toute ma gratitude. Alors, vous répétez cela 3 fois, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas de remercier, c'est important. Aujourd'hui, j'ai pigé « Tu n'es pas tes émotions » et c'est une carte du deuxième chakra. Sa couleur, elle est orange et le deuxième chakra, eh bien, on l'appelle le chakra sacré. Et il se trouve au-dessus de l'os pubien. Ce chakra, eh bien, il est le centre de vos émotions et de vos pulsions. Et il parle de votre rapport avec les autres. Si ce chakra maintenant il est déséquilibré, il n'est pas dans l'alignement des autres chakras, eh bien cela veut dire qu'il manifeste une notion de culpabilité accentuée du fait de ne pas vous sentir à la hauteur. Vous ne respectez peut-être pas le sacré en vous, c'est-à-dire vos valeurs, vos convictions, vos envies, vos désirs, et vous êtes hyper émotif. Et c'est alors que naît une attitude tendue envers les autres, avec des rapports de force inévitables. Vous vous placez soit au-dessus, soit en dessous de l'autre. La solution, eh bien, prendre conscience de votre valeur intérieure en comprenant que vous êtes l'égal d'autrui, en veillant bien à ne pas nourrir, eh bien, votre ego outre mesure. C'est-à-dire que, voilà, on a un ego, mais il faut l'équilibrer. Il ne faut pas qu'il soit plus haut ni plus bas. On nous a mis l'ego, c'est pour vraiment équilibrer la chose, n'est-ce pas? Maintenant, le chakra qui est harmonieux, qui est en harmonie, qui est bien mis, bien aligné, eh bien, il indique une bonne gestion des émotions et une vitalité saine, mais aussi et surtout un niveau de confiance personnelle qui est vraiment stable, qui fait accéder à un rapport vraiment harmonieux avec les autres et à la faculté à prendre du plaisir. Vous vous adaptez à la mouvance de la vie avec spontanéité et joie. Et ça, c'est un chakra qui est bien dans l'alignement. Maintenant, définition de cette carte, tu n'es pas tes émotions. Toutes les fois où l'angoisse et l'inquiétude te prennent à la gorge et que ton plexus se resserre, tu es en proie à un mal-être évident. On a l'impression que tu en veux parfois à la terre entière, car seule une raison extérieure pour toi peut être responsable de ce malaise intérieur. On a l'impression que tu es dans une souffrance intérieure et ces émotions qui ne font que passer, ne sont pas toi, n'est-ce pas? Mais parlent pourtant de ton rapport à toi-même. Alors, sache que les autres n'y sont pour rien, ou sont simplement des révélateurs malgré eux. C'est un miroir de toi, donc ça révèle beaucoup de choses. Alors il serait temps, eh bien, oui, il serait temps de te tourner vers ton intériorité pour mieux comprendre l'origine de ton trouble.
Ces émotions te disent que tu es en disharmonie intérieure et qu'une peur lancinante est à la source de ton mal-être. Il faut que tu l'identifies. Identifie-la et accueille-la en répandant un sentiment d'amour en toi et surtout en émettant, eh bien, des belles pensées positives qui influeront sur tes émotions. En prenant conscience que tu es aussi et surtout un esprit illimité, avant d'être un corps, avec ces émotions, eh bien là, je suis certaine que tu t'apaises déjà. Voilà, c'est une carte qui demande beaucoup de réflexion parce que moi je ressens à travers cette carte qu'il y a beaucoup de souffrances intérieures, mal-être intérieur pour certains d'entre vous. Et il est bon de remettre ce chakra dans l'alignement des autres. Et dites-vous bien que les autres ne peuvent rien à votre malaise. C'est vous seul qui pouvez y remédier. Et ce n'est pas la faute des autres. S'autoriser, n'est-ce pas? S'autoriser à comprendre, s'autoriser à être soi. S'autoriser à accepter cette part d'ombre qu'on a. Parce qu'on a toutes et tous une part d'ombre. Et on est là pour, la mettre en lumière. Je termine, c'est un très très beau message, n'est-ce pas? Je termine avec ne plus avoir peur. Et là, je regarde ma peur en face et j'essaye de l'analyser. Cet ennemi global est en fait une armée de petits soldats. Chacun d'eux pris séparément est beaucoup plus facile à vaincre que la troupe tout entière. En décortiquant ses peurs, en les affrontant une à une, nous pouvons plus aisément les dépasser. Et c'est vrai que chacun d'eux pris séparément, c'est beaucoup plus facile à les vaincre, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À demain.